Como é que eu vou? Là, ces savons-là, j'ai dit, personne qui souffre de rougeur, commandez ces savons-là chez Cadena Beauty. C'est pas blanchissant. C'est des savons qui vont... En fait, c'est des savons réparateurs. Ça traite. Voilà, et ça sent très bon. Voilà. Début de mamie, oui. Rougeur, début de mamie, peau super sèche, froissée, fatiguée. Voilà votre savon réparateur et votre sérum. Pour le sérum, je vais prendre le mien, là. Ça, c'est pour moi ici. Et puis, je vais ouvrir pour vous montrer. Oh, Jésus. Donc, voilà. On prend une goutte comme ça, vous voyez. Et puis, on étale doucement comme ça sur le visage. Vous voyez, non? La différence, vous voyez comment la peau brille. Je ne sais pas si la différence, est-ce qu'on voit? Je ne sais pas, à cause du fait de la caméra. Donc, voilà. Donc, ça rentre facilement, c'est tellement léger. Ça ne sent rien. Voilà, c'est une huile. Et puis, voilà, c'est aussi pour cette personne qui souffre de gras. Si le visage est gras, 1, 2, 3 fond de teint, prends mon sérum, ce sérum, pour réguler la production de sébum. Donc, voilà. Vous voyez, non? Et puis, tu vois, c'est-à-dire que quand tu mets ta crème du soir, là, tu mets ta crème du soir, tu prends une goutte. Je n'ai pas de prendre tout. C'est pas huile éclaircissante. Donc, juste une goutte, voilà. Ou bien soit deux. Ça dépend si ton visage est bien large, là, tu es bien joufflu, là. Moi, j'ai petit visage, donc une goutte suffit pour moi. Mais tout dans ton visage, il est... Tu peux prendre deux gouttes pour... En fait, il ne faut pas déborder. Les sérums, ça se met en termes de gouttes, voilà. La quantité d'un sérum qu'on doit appliquer sur le visage, on ne va pas prendre pure, non, non. Juste une goutte, et puis légèrement, puisque c'est le dernier produit que tu vas mettre sur ton visage avant de dormir. Donc, légèrement, tu masses délicatement, voilà. Donc, vous voyez le sérum. Donc, voilà. Comme ça, délicatement. Et puis, c'est tout. Une fois que tu sens que ça a bien pénétré, bien. Et tu vas te coucher. Et tu fais ça. Tu vas voir que les rougeurs vont commencer, ça va diminuer. Tu vas sentir, en fait, ce qui va se passer, que vous n'allez pas aimer, mais c'est bon pour vous. Vous allez, puisque vous êtes déjà rouge, donc il faut d'abord revenir un peu à l'arrière. C'est-à-dire que vous allez sentir comme si vous perdez en teinte un peu. Voilà, mais ça, c'est une transition. Voilà, parce que pour que les rougeurs vous lâchent, il faut que la peau se régénère. Et comme c'est une huile qui va permettre à votre peau de se régénérer, afin que les rougeurs partent, donc du coup, ben, vous allez sentir ça en gêne noirci. Mais en réalité, vous êtes en train de guérir. Vous voyez, non? Voilà. Et au fur et à mesure, après, maintenant, vous allez retrouver. En fait, c'est le tchat là. En fait, c'est des transitions. On passe par des zones, après on revient. C'est comme ça. Donc, pour les rougeurs, et voilà, tous ceux qui ont les rougeurs début de mamie et tout ça là. Donc, moi, je vous conseille vivement de prendre le savon et le sérum. Et je vous dis que ces deux produits-là ne sont pas éclaircissants, ne sont pas blanchissants. Donc, ils passent très bien sur le visage. C'est une huile. Cette huile, elle n'est pas comédogène. Voilà, elle n'est pas comédogène. En fait, c'est une huile pour les personnes même qui ont le gras. Donc, cette huile va venir réduire et puis réguler pour ne pas que tu aies le gras sur le visage. L'huile, là, on a l'impression que ton visage, on a grillé les galettes là-dessus. Et ça, c'est le savon. Donc, tous ces produits-là sont disponibles chez Cadena Beauty. Pour commander chez Cadena Beauty, le numéro est sur la barre de description de cette vidéo. Et voilà, écrivez-nous via WhatsApp et on va vous répondre. Donc, je vais vous laisser une recette. Une recette pour les rougeurs. Alors, si vous constatez que vous rougissez, que quand vous êtes exposé au soleil, vous avez des picotements. C'est comme si vous brûlez à l'intérieur de vous. Mais quand vous regardez, il n'y a pas de traces de brûlure, mais ça se passe à l'intérieur de vous. Quand vous sentez ça, il faut faire attention parce que ça commence dedans et puis après ça ressurgit. Donc quand vous sentez déjà que vous avez toutes ces sensations-là, il faut arrêter les produits que vous utilisez sur le visage ou sur le corps.
quand vous sortez et vous remarquez que votre dos, votre poule, ça chauffe. Parfois, ça arrive, vous êtes là, vous sentez que le dos chauffe, le cou chauffe. Qui a déjà ressenti ça une fois? Ça veut dire que ta peau manque de protection. Et si tu ne fais pas attention, c'est mamie qui a sorti sur toi. Et puis quand ça a sorti là, ça veut dire que mamie, quand ça vient comme ça un coup là, tu ne comprends pas. À quel moment c'est venu, puis tu n'as pas pu prévenir ça, vient quoi, bah! Et puis c'est là. Donc déjà ces petits symptômes là, quand vous remarquez ça, arrêtez. Et puis hydratez-vous à fond pour bloquer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous laisser une recette contre les rougeurs. Vous allez d'abord arrêter, parce qu'on ne peut pas vous donner un médicament. Mais bon, oui, ce sont des médicaments. Hein. On ne peut pas vous donner une recette contre un mal et vous allez toujours utiliser ce qui vous a fait mal. Il faut laisser les produits qui ont abîmé la peau. Ça, c'est la règle numéro 1 d'abord, si vous voulez traiter un bobo. Il faut laisser les produits qui vous ont abîmé la peau, quel que soit le produit là où vous avez acheté. Ben, vous êtes obligé de le laisser. Ensuite, en termes de visage, il faut immédiatement avoir deux produits que j'ai toujours recommandé, ces deux produits-là. Un brumisateur et une crème solaire. Ça se vend en pharmacie. Allez dans les pharmacies. Moi, je ne vends pas de crème solaire. Allez dans les pharmacies. Acheter une crème solaire. Demandez le pharmacien et non les vendeurs. Parce que parfois, si vous ne faites pas attention, le gars va vous laisser jouer les dangereux alors que c'est un stagiaire. C'est mieux voilà, pour votre sécurité et tout. Demandez le pharmacien ou la pharmacienne. La personne va bien vous expliquer comment on applique l'écran solaire. Oui. Moi, je donne ça quand c'est en coaching. Quand c'est pas en coaching, tu vas chez ton pharmacien qui te donne ta chose là-bas. Voilà. Ensuite, un brumisateur. C'est très bon. Moi, j'en ai. Chaque fois que je vous montre, j'en ai. Quand il fait super chaud, quand il sent qu'il fait chaud, la chaleur est en train de m'envahir, je mets. Ayez ces deux produits-là chez vous. La recette. Aussi, avant la recette, il ne faut pas faire de gommage. Quand le visage est devenu rouge, vous rougissez, vous voyez que quand vous mirez, c'est rouge. Mais vous sentez que ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire de gommage à ce moment-là. Il ne faut pas faire de gommage. Il faut d'abord arrêter tout et nourrir votre peau. Vous hydratez d'abord. L'hydratation, là, c'est incontournable. Hein? Tu veux pas au... Mais quand tu as bobo là-bas, là, tu reviens vers l'hydratation. Tu veux au... L'hydratation, tu as besoin de ça pour que la peau brille. Donc, vous voyez combien de fois l'hydratation est incontournable. Donc, il vous faut une crème de visage du jour. Parce que même si je vous donne la recette et que vous n'avez pas tous ces produits-là, ça ne va pas aller. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne trie pas. Quand on fait une routine, on ne trie pas. Donc, il faut que vous ayez, avant que je vous donne cette recette, il faudrait que je vous dise les armes. Il vous faut un brumisateur, une crème de visage pour le jour, pour vous protéger, pour vous hydrater la peau, pour stabiliser la production de sébum et tout, pour ne pas briller et tout. Il vous faut une crème contre les rayons UV. Et en ce moment, quand vous avez tout ça et que vous faites la recette que je vais vous donner, ça marche. Alors, vous aurez besoin du gel d'aloe vera. Gel d'aloe vera. Plus du lait, pas sucré, pas en poudre. Je préfère que ce soit yaourt nature. Excusez-moi. Donc, écrivez là-bas. Gel d'aloe vera. Plus yaourt nature. Plus huile de vitamine E. Juste 3. C'est un masque. Juste ces 3 ingrédients. Yaourt ou lait, mais pas sucré. Gel d'aloe vera, vraiment bon, de bonne qualité. Huile de vitamine E.
Vous allez faire le mélange de ces trois produits. Vous allez garder votre petite recette au réfrigérateur pour qu'elle soit bien glacée. Et vous allez appliquer sur le visage. Vous allez étendre sur le visage. Fermez les yeux. Patientez 10-15 minutes. Que le masque puisse pénétrer les pores. J'ai dit, c'est un pur moment de satisfaction. Moi, je l'ai fait même aujourd'hui, tout à l'heure. Vous voyez, le teint shine, là, parce que je viens de faire le masque, là. J'ai senti un peu que ma peau était un peu sèche. Donc, en fait, c'est un masque repulpant. C'est un masque régénérateur. C'est un masque, voilà, c'est hydratant. Tous ces agents-là, c'est bon pour la peau. Vitamine E, jet d'aloe vera, yaourt ou lait. Pas yaourt et lait. Vous n'avez pas dit que... Et puis d'ajouter quoi? Vous aimez bien les ajouts là. Trois ingrédients. Faites votre mélange. Vous mettez au frais. Ça n'a qu'à être un peu glacé. Ça va vous apaiser. Si vous rougissez, ça dit, si tout ça là, c'est rouge. Si vous sentez que tout ça, c'est vu très rouge, comme une tomate, ne limitez pas le masque seulement jusqu'à la face, mais descendez jusqu'au décolleté et même là. Et on ne le fait pas une fois et puis c'est fini pour la vie. Non, on répète jusqu'à ce qu'on sente une amélioration, jusqu'à avoir un résultat optimal. Et on n'arrête pas, hein? Et on espace les jours pour que, voilà, on peut maintenir la carnation. Et quand on fait ça, là, on ne fait pas tcha. Ne triche pas à côté pour dire, bon, comme j'ai la recette là, j'ai continué le tcha. Maintenant, quand il est rougi, j'ai fait la recette. Et puis, je continue le tcha. S'il est rougi, je fais la recette. Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, un moment viendra où même quand tu vas faire la recette, ça ne marchera pas. On ne triche pas avec la peau. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Joli dimanche et que Dieu nous garde, nous tous.